Là, j'imagine que vous avez entendu le joli petit Sega, vraie époque, Game Gear, Mega Drive Master System. Hop. Donc j'avais recommencé hier soir, parce que je l'avais fini il y a quelques années déjà. Mais on va repartir de zéro. Et l'histoire est très con, je vais tout laisser. Coin coin. Oh, a dead hardy, you ho ho do. Oh, daddy, hoo hoo. Oh, dead hardy, dead hardy, daddy, oh, dead hardy. Vengeance. Donc c'est un jeu de plateforme action très bourrin. Il y a du sanguinolent mais c'est à prendre pas au premier degré. Et même le blabla c'est du second degré avec un perso. On va voir. Bon, déjà on commence le jeu, on n'a pas d'armes. Donc on va juste récupérer du pognon qui sert après plus tard à acheter des nouvelles armes, des améliorations. On va éviter de toucher les ennemis. Hop là. Comment allez-vous, monsieur? Donc une petite phase tuto. Et donc l'objectif, voilà, c'est dans tout le jeu, on a 100 monstres à buter. Mais voilà, faut juste les buter quoi. On a une structure un peu Metroidvania. Mais le début, c'est quand même assez en ligne droite. Hein. Je me souviens plus si un peu plus tard, on a vraiment du Metroidvania. Hop là. Mais le début du jeu, c'est assez ligne droite. Hein. Et donc on a soit le perso qui se déplace à pied, soit le perso se déplace avec un jetpack si circulaire. Et on va aller tuer notre premier monstre. Et en fait, chaque fois qu'on va tuer un monstre, on va avoir un mini-jeu en fait. Et chaque fois que le monstre a sa vie à zéro. Bon là, c'est le tout premier, il propose pas de résistance. Mais les prochains... Après, ils ont des tactiques pour essayer de les tuer quand même.
Ça, hop. Et à chaque mini-jeu, on a une mort. Une scénette de mort particulière. Hop là. Le radar maintenant. Donc maintenant, hop, ça se complique un petit peu. On a un ennemi qu'on peut pas toucher. Ça, ça permet de récupérer la vie. Mais je pense qu'en fait, le début est très ligne droite, mais après on revient quand même dans les niveaux au bout d'un moment. Parce que ce genre de pierre là, pour l'instant, qu'on peut pas les, on peut pas les casser. Hop, passer la boutique. Allez, premier. Et là, on débloque la première arme, les missiles. On a aussi après de la customisation. Vu le pognon que j'ai, hop, on profite. La customisation, c'est juste vraiment comme cosmétique. Il n'y a pas de nouveau, ça donne pas de pouvoir. Alors maintenant, on a des armes. Kiss my ass. Quand on meurt, on revient sur un checkpoint. Et ils sont assez. Il y en a assez. Assez partout. Hop, voilà. Alors, faire gaffe. Hein. Ça se voit pas très bien en fait. Je me suis refait avoir l'autre fois, enfin, quand j'ai recommencé hier le jeu. Mais comme Boulder Dash. Si on casse la brique sous, des grosses cailloux, sous les gros cailloux, il nous tombe dessus et en général c'est mort immédiate.
Et donc là, pour le tuer, bah, on vise, on tire. Quiz of Doom. Un caillot vide, moyen de la lap mort. What the fuck? Et on vient de débloquer l'accès au premier boss. Bon, le premier boss, il est pas très... Hop là. Hop, première phase. Hop là. Hop là. Dernière phase. Hop là. Voilà, c'était le premier boss. Sorti. On récupère ça. Plein de sioux. Et nouveau monde. Yippee-kai. Hop. Voilà. Maintenant on a la mitraillette.
7 sur 9. Hop là. Allez, au prochain coin là. Ok. Ah, et si on échoue sur un mini-jeu, ben on tue pas le boss et on perd de la vie. Aïe aïe aïe. Ah. Aïe. Voilà. Ah, j'ai un moustique. J'ai raté. Ah mais non, je suis con, oui. J'aurais dû y aller avec le... avec lui. Aïe. Aïe 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 aïe. Hop. Voilà. Un moustique à moins. Allez hop. Un petit QTE. Voilà, débloquer le l'île. Mais on va pas le voir. Enfin, en gros, c'est tous les monstres qu'on tue vont sur cette île. Et après, on peut les affecter à
à divers comment dire à faire comment dire à obtenir plus d'argent, obtenir plus de vie, tout comme ça. C'est comme ça qu'on augmente en fait les capacités de son perso. Aïe. Bon. Ah, raté. Bon. Passer par l'autre côté parce que... Ouais, j'y a pas le trou. Insert coin. La petite, le petit hommage en gros pour la Space Invader, on va dire. Galaga. Passage secret. Un costume. Let's crush! Alors on a accès à la carte maintenant.
Beam a blaster on. Aïe aïe aïe. Ah, il faut réussir le... Voilà. Pas très dur. Ah merde. Il s'arrête pas en fait. Ah, Dieu. Hop. Fire starter. Préférence à Mortal Kombat, je me trompe pas. Ah merde. Oh putain, faut tout recommencer. Tiens presque.
Allez, voilà. Un autre moustique. Là, il n'y a plus rien, donc on descend. Grenade et on va améliorer la mitraillette. Là. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller jusqu'au prochain boss. On va essayer d'en faire le plus possible. Et là, maintenant, on passe dans une phase sans armes. Plateforme pure. Jump. On a wall jump et un double saut. Aïe. Un dernier coup. Fire starter. Et alors là, truc classique, on a des zones lumineuses où il faut pas rentrer dedans. Sinon c'est mort immédiate. Thank you.
peine, c'est la petite référence à Ocarina of Time. Bon, je suis mort en même temps. Mais c'est pas grave, le boss est mort. Enfin, le boss, le monstre. Oula là là. C'est simple, il faut les faire foncer l'un sur l'autre. Aïe. On va éviter de se faire tuer. Ah, il est mort. Et maintenant, c'est à notre tour. Alors, hop, c'est lui. Yam, yam. L'incite. Il faut dégager la voie. Donc, ici. Voilà. Et ici. Vraiment, c'est bon. On va peut-être y arriver au deuxième boss. Ouais, peut-être pas. Ouais, on va se donner jusqu'à la demi, grand max. Normalement, je devrais y arriver.
Tac, j'ai chopé. Non, j'ai pas chopé. Vive les moustiques. Alors, ici que c'est. Ouais, c'est pas le bon côté. Donc comme pour je sais plus quel boss, enfin monstre plutôt, c'est celui de l'anniversaire. C'est faut réussir à pousser la caisse jusqu'à ce qu'elle écrase là. Le monstre caché au fond du labyrinthe. Et on y est presque. Bah c'est celui-ci. Et ben voilà, ça débloque le boss. Alors, j'ai la sulfateuse. Bazooka ou la Gatling. Oh le con, je fonce dans les pics. Bon, déjà c'est mal parti. Comme le précédent boss, il y a trois phases, si je ne me trompe pas. Et là c'est déjà plutôt mal pari. Ah, peut-être l'avoir. Il ne fait pas toucher. Ah, encore un coup. Ah, normalement c'est bon.
ici. Hop, on remonte. Et maintenant, on peut tailler ces pierres-là. Et on va s'arrêter là pour Hell Yeah. Donc, dispo Xbox 360, PS3 et Steam. Par contre, durée de jeu, ben là, on vient de faire à peu près quasiment une heure. On a tué 25 boss, soit le quart. Mais après, je pense que. Après, on rentrera. Je pense que dans le jeu, on rentre dans une phase plus Metroidvania. Donc, on mettra un peu plus de temps à choper tous les monstres. Mais, je sais pas, je dirais 8 heures pour le finir. Après, si on va plus, peut-être. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à choper de secret ou pas. Enfin, bref. C'était elle qui est. Yeah.